N'a continué avec étude nous qui gagne pour thème la croissance spirituelle du chrétien. La dernière fois, nous avons commencé à identifier quelques obstacles à la croissance spirituelle. Nous avons regardé ensemble ce qui arrête ou ralentit ou empêche le développement spirituel du chrétien. Elle est importante. Nous te jouons en pile bagay. Nous te jouons quelques bagay qui fait que chrétien pas qu'à développer nan vie spirituelle normalement. Et c'est la même ligne ça, jodi a n'a continué. M'a rappelé que la croissance spirituelle du chrétien est un projet de Dieu. Bon Dieu voulait ou grandir et développer nan vie spirituelle. Certaines fois nan Bible là la croissance spirituelle les traduit par la prospérité spirituelle. D'où, la prospérité du chrétien est un projet de Dieu. D'autres fois, on est capable de parler également de la productivité spirituelle. Encore une fois, on a répété, la productivité spirituelle du chrétien est un projet de Dieu. La maturité spirituelle du chrétien est un projet de Dieu. Et projet, ça a gagné comme finalité, parole que le Saint-Esprit a inspiré à apôtre Paul, dans Romains, chapitre 8, le verset 29. Jusqu'à ce que nous venions sembler à petit Seigneur, semblable à son Fils, semblable à Jésus. C'est la dimension ça, le Seigneur voulait nous grandir, nous développer pour nous arriver. Donc, la productivité spirituelle, li gagne comme finalité être semblable à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est pas seulement Tino Lendi ou que la croissance spirituelle du chrétien est un projet de Dieu. L'on lit dans Jean, chapitre 10, verset 10. Jésus-Christ même parlait, il dit comme ça, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » L'autre façon encore capable de traduire la croissance spirituelle du chrétien ou bien la prospérité spirituelle, la productivité spirituelle, la maturité spirituelle, c'est ça relève une vie dans l'abondance. Tel est le projet de Jésus pour ses brebis. La Bible a une quantité d'exhortation que le Seigneur y a adressé aux chrétiens concernant la croissance spirituelle. Il y en a dans yo, c'est deux Pierre, chapitre 3, le verset 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Gon quantité promesse que nous-mêmes nous relais les provisions de Dieu pour la croissance spirituelle du chrétien. Tout ça chrétien besoin pour le grandir, pour le croître, pour le prospérer spirituellement, pour le arriver à la maturité, le Seigneur lui est un météo à sa disposition. Il y a une quantité de bénédictions également pour moun kap grandi et développé dans vie chrétienne. Mais si nous dit que la croissance spirituelle du chrétien est un projet de Dieu, faut dire également la croissance spirituelle du chrétien doit être également un projet du chrétien. Bon Dieu voulait ou grandir ou développer ou même tout ou doit engager dans processus croissance là. Ou même tout ou doit décider travailler de concert avec Dieu dans votre propre vie pour votre propre croissance. Donc chrétien, il est quelqu'un qui est actif dans sa croissance spirituelle. C'est vrai, c'est Dieu qui a le plan. C'est Dieu qui a le projet, c'est Dieu qui a mis à votre disposition tout ça vous avez besoin pour grandir et développer. Mais son grand privilège également, ou même pour engager, ça veut dire, ou pral travail de concert avec Dieu, ou pral travail en collaboration avec Dieu. Dieu est votre collaborateur dans votre propre croissance spirituelle. Ça, son bel privilège que chaque chrétien a vécu. Donc l'exhortation c'est que ou même également zami moi ou engagé totalement entièrement ou engagé profondément pour votre propre croissance spirituelle.
Kèk bak a nou te cite la dernière fois ki fè ke malheureusement chrétien pa ka grandi et développer nan vie spirituelle li normalement, nou te wè se l'ignorance par rapport à sa croissance spirituelle. Deuxièmement, nou te wè se une mauvaise évaluation de sa vie spirituelle. Troisièmement, nou te identifié un manque de motivation, un manque de volonté pour grandir spirituellement que nous te traduit également par un manque d'esprit d'initiative. Et quatrièmement, nous te ouais, c'est une mauvaise nutrition spirituelle ou bien une mauvaise alimentation spirituelle. Donc, si gen problème, si gen obstacle à la croissance du chrétien, Dieu est toujours disponible ou capable de demander de l'aide dans la prière. Soit pas grandi, j'en t'a de grandir dans vie chrétienne ou pour aller vers la maturité, Dieu est disponible. Chan di joine à li dans la prière. Ou pas qu'à son chrétien, jour après jour, ou à regarder, malheureusement, ou dans même niveau spirituel là toujours, ou pas grandir, ou pas développer, ou pas croître. Tandis que le Seigneur, il est disponible, joine à li dans la prière. Et me garantis, Jean 11, verset 40, dit là, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et me garantis, le chrétien qui travaille à sa propre croissance, il verra la gloire de Dieu. Jodia, nous allons tenter d'identifier quelques autres obstacles à croissance chrétienne. Mais nous allons aller dans la parabole dans le livre de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 14 à verset 30. C'est là nous joignons une parabole, Jésus te baille, que y aurait les la parabole des talents. Une parabole tout chrétien connaît. Une parabole tout chrétien capable de raconter sans problème. La parabole des talents. Nous allons regarder dans la parabole des talents ça, qui est capable de bloquer la croissance spirituelle. Mais bon, mon explication en deux temps par rapport avec la parabole là, avant d'arriver dans le troisième serviteur. Dans la parabole ça, nous joignons un maître, il est riche, il est généreux, il est investisseur, il a un projet qui est très clair pour serviteur Lio. Deuxièmement, nous joignons des serviteurs du maître. Dans la parabole là, il y a au nombre de trois serviteurs mettent là des projets pour eux-mêmes. Dans la parabole là, nous joignons également une richesse d'une valeur vraiment inestimable. Une richesse mettre là gagner qui ont présenté nous composé de 8 talents. Mais 8 talents, c'est une valeur inestimable. C'est une très très grande richesse. Nous sommes capables de 8 talents, ça équivaut en réalité 120 années de travail. Plan parabole là, c'est premièrement Matthieu 25, verset 14 et verset 15, la distribution des talents aux 3 serviteurs. Mettre la distribuer talents à 3 serviteurs. Et deuxième étape et niveau dans Matthieu chapitre 25, verset 16 à 18, c'est la qualité de l'administration des talents de la part des serviteurs. Deux premiers serviteurs yo ba nou idée sur comment yo administrer talent yo. Troisième partie dans parabole là, nous joignons dans verset 19 à verset 30, c'est ça relé la rétribution ou bien les récompenses du maître au serviteur par rapport avec l'ordre yo te recevoir pour faire valoir leur talent. Talent yo te recevoir, mettre la konya la évaluer, mettre la ba des récompenses appropriées. Parabole ça a grand pile moun ki relé la parabole de la productivité également de l'absence de productivité. Gen moun ki relé la parabole du travail et de l'oisiveté. Et dans parabole ça nous les soins apportés à la semence et à la qualité de la moisson. Yo di ça c'est youn nan loi de la semence et de la moisson. Parce que dans la loi, ça nous joint que la moisson est toujours beaucoup plus grande que la semence. Soit planté, l'arbre récolté, l'a toujours plus. Dès pour prendre soin, soit planté, dès pour cultiver selon les normes, selon les principes établis, l'arbre récolté sont garantis que lié. Ou récolté plus que quantité ou t'es planté. Dans la parabole, ça, parabole des talents, gagné. 2 groupes de serviteurs. 3 serviteurs, ça yo, yo subdivisé yo en 2 groupes. Premièrement, un groupe dynamique, un groupe productif. C'est les 2 premiers serviteurs.
Le deuxième groupe là nous joigne un groupe stérile, paresseux, inutile. J'en mets là expliqué là. Ça nous joigne un grand serviteur là dans lui, malheureusement. Et c'est troisième serviteur ça qui intéresse nous en pile dans séance jodi a. Nous allons tenter d'identifier la Kylie, ça fait malheureusement l'été responsable et pas de prendre sens de responsabilité que l'été gagne. L'été malheureusement recevoir un reproche très sévère de la part du maître et nous-mêmes. Comment capable de servir avec toute leçon ça pour nous continuer à grandir et développer ou bien même identifier ça fait pas qu'à bien grandir et développer dans notre propre vie spirituelle. Pas oublier, chaque serviteur ça a qui te recevoir talent, il y a un qui te recevoir 5, un te recevoir 2, l'autre là te recevoir 1, yo te tout recevoir les directives du maître, l'ordre du maître. Maître là te dit yo, faites valoir ce talent jusqu'à ce que je revienne. Fait talent au travail, oui, jusqu'à ce que moi tout n'ai. Et ou même tout en passant, tout soit recevoir de la part de Dieu. C'est même principe là, oui, faire au travail jusqu'à ce que maître là tout n'ai. Malheureusement, le troisième serviteur a été sévèrement reproché par le maître lors de l'évaluation du travail accompli. Quelle qualité handicap troisième serviteur ça te gagne dans la ville? On tente d'identifier. Premièrement, troisième serviteur ça te gagne une mauvaise théologie du maître. Ça ne relève une ignorance de la vraie personne du maître. Une conception mauvaise du caractère du maître. Regardez. Les mettre la vie ni bon côté chaque serviteur la faire rendre compte de la gestion de leur talent. Serviteur ça il dit ah maître, je sais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Ça veut dire que serviteur ça il était ouais mettre là son seul angle, mais en réalité il pas connaît vrai caractère mettre là. Il n'avait pas vu le maître comme quelqu'un de généreux. Maître là t'es très généreux. Maître là t'es mettait à la disposition de ce troisième serviteur une forte somme d'argent et gratuitement. Même son seul talent que était ouais maître la balle. Parce que dans l'époque ça, talent c'est en relé une mesure, un système de monnaie. Yon talent t'est égal à 60 mine. Mine également c'est une monnaie yon t'est conservé. Eh bien, 60 000 t'es égal à 6 000 deniers. Et 6 000 deniers, li égal à salaire yon ouvrier qui travaille pendant 20 années. Imagine dans longtemps ça, un ouvrier qui travaille yon 20 années, li rassemble tout comme ça. Et c'est quantité comme ça, oui, mais là, t'es bay troisième serviteur. Li te bali un salaire qui est équivalent à près de yon vingtaine d'années de travail. Donc, maintenant, en réalité, tu es très généreux. Mais malheureusement, serviteur ça, il te un seul côté la caille maître là. Il te ouais seulement la sévérité du maître. Il te ouais les exigences du maître. Il pas ouais la générosité du maître qui te mettait à sa disposition une très grande richesse. Mettre là ici l'ité bail une opportunité extraordinaire à serviteur ça. Mettre là t'ai offert l'opportunité pour le pas rester simplement dans un serviteur mais pour devenir un patron, un chef d'entreprise parce que il balle de quoi maintenant pour l'investir, pour la faire propre activité à caractère économique par lui. Pas oublier dans premier temps, il a travaillé pour le maître. Mettre la tapelle, mais qu'on y a, s'il a investi avec ça, mettre la balia, l'a devenu un patron, un chef d'entreprise. Il a même des monde qui travaille ensemble avec lui. Malheureusement, serviteur, ça a été manqué le discernement. Il n'a pas trouvé mettre la bien. Nous dit qu'il y a une mauvaise théologie du maître. Il était ignoré la vraie personne du maître. Nous connaissons également, de même, une mauvaise image de Dieu. Ou bien yon ignorance concernant la personne de Dieu, li son obstacle à la croissance spirituelle du chrétien. L'on pas bien connaît bon Dieu ou observé. L'on a une vision que nous relè, yon vision non équilibrée, non complète de Dieu. Par exemple, yon moun li ap gade bon Dieu, yon son moun très sévère, yon moun très exigeant, kap surveye tout petit erreur que yon fait.
Les ça moun nan mete propre principal là, l'employé ensemble de technique, li pa vle faire rien. Li pa vle engager rien de peur que l'el font bagay ki mal pour bon Dieu pa rale bout de bâton une batte. Ça paralyse en pile moun. Tellement dans l'évangile a gen moun qui peut échouer, yo pa jam fait rien et parce que yo pa jam fait rien, yo pa grandi. Parce que yo quoi? Met là le Seigneur a surveillé et ouais yo. Met là Seigneur l'a surveillé échec yo. Il y a des gens qui totalement paralysé. Yo pa jam entreprendre rien même j'ai avec cette ça parce que yo mal comprendre bon Dieu. Yo ouais bon Dieu l'un seul aspect. Même j'en tout, il y a moun qui ouais bon Dieu seulement comme un Dieu d'amour, un Dieu tolérant. Yo met vivre n'importe façon. Yo met faire n'importe ça yo vle. Yo met péché matin, midi et soir. Le maître est tolérant. Et ça, li tourne yon véritable obstacle pour croissance vie spirituelle yo. Le premier obstacle, serviteur ça te gagné qui fait que le pas de café valoir le talent que maître la te bali, c'est une mauvaise conception du maître, une mauvaise image du maître que nous relé yon mauvaise théologie. Et ça, ils sont gros obstacles dans la vie en pile chrétien. Yon reste à relé yon vision fausse côté. Ou bien yon ouais, le côté sévère seulement, la caille mon Dieu, yon pas caille créé équilibre là. Ou bien yon ouais seulement le côté tolérant, le côté émotionnel, le côté d'amour chez la personne de Dieu. Tous les deux dimensions ça a yon, les moun n'a pas qu'à faire équilibre, li paralysé. Li gon mauvaise image de Dieu, dont talent, capacité que bon Dieu investit dans la vie, même si c'est un bagage vraiment extraordinaire, une forte somme, yo pas qu'à servir avec, puis faire grandir et développer, parce que malheureusement, yo gon mauvaise image de Dieu. Deuxième problème, qui sont obstacles, troisième serviteur, ça a été gagné dans la vie, c'est ça, une mauvaise estime de soi. Gen moun qui traduit par yon sous-estime de soi, ou bien par yon sous-estime de soi. Ça le dit, troisième serviteur ça, pas de bien connaît tête li. Li pas de connaît vraie identité. En passant, c'est même bagala, quel que soit chrétien, qui pas connaît vraie identité en Christ, li pas qu'à développer et jouir les bénédictions de Dieu mette à disposition. Maintenant, te mette en quantité talent, en quantité don, en quantité capacité, li pas qu'à jouir parce que li pas bien connaît sa vraie identité en Christ. Sous-estime de soi, yo dit, son opinion défavorable ou gagné concernant propre tête ou. Tant que ça, ou gon idée négative de moun ou yé a. Chaque fois gade ou ap konté défaut yo, ou ap konté handicap ou yo, ou ap konté bagay l'autre moun gagné qui bon ou même ou pas gagné la kayou, vin fait que ou gon sous-estime de soi développer la kayou. C'est comme si on t'a dit ou a gardé ou pas gain capacité pour faire valoir le talent que on recevoir dans mes mains là. Et comme ça oui, troisième serviteur a te gardé tête li. Il était gain une sous-estime de soi. Pour lui même la ville, c'est ton échec. Il pas besoin de tenter servir avec le talent du maître pour faire valoir parce que déjà, il est toujours échoué dans toute sa lave entreprendre. Pour lui même, il pas qu'un patron. Parce qu'elle n'est pas faite pour un patron. Elle n'est pas sortie dans la famille. T'es un patron dans la famille. C'est serviteur pour le toujours. C'est au service des autres. Maintenant, offre une opportunité extraordinaire, oui. Mais sous-estime de soi qu'elle a la cali, paralysée, malheureusement. Maintenant, tu veux faire de serviteur ça un intendant, un gestionnaire, un patron, un gérant des grandes richesses. Mais malheureusement, sous-estime de serviteur ça t'es paralysé. En pile fois, gan pile moun dans l'église, c'est même bagala. Yo pa kwè dans le pouvoir de l'évangile parce que yo sorti dans famille, moun pa jam rien, moun pa jam fè progrès, moun pa jam pran promotion, moun pa jam servi bon Dieu fidèlement, yo calculé la vie yo mathématiquement même genre. À tout mettre là, mettez grâce à la disposition, yo, mettez don, mettez talent, mettez dans un vrai environnement, mais yo paralysé, yo pas grandi à cause de mentalité, yo. Yo gon mentalité négative de personne que yo yé a. Yo pas quoi que mettre la ka lever, yo, mettre la ka transformer, yo. Yo pas quoi que yo ka devenu yon personne de référence, yon personne avec maturité, yon personne côté que qui ka gon bon témoignage. Moun sa yo, yo développé ce qu'on appelle un sous-estime de soi. Et rapidement, en pile fois, ça sortit dans la qualité éducation nous recevoir. Dans pile monde qui recevoir,
yon éducation que nous rele, yon éducation dévalorisante. C'est vrai, yon passe sous bon l'école, mais qualité éducation que yon ba yon a fait yon comprendre, yon pa jam patron, c'est ouvrier pour yon yon. Yon pa jam ka arrive réaliser quelque chose. C'est toujours moun ki pou longe men ba yon. En pile chrétien, dans l'église quand y a levé, eh ben yon croyait que si pasteur pas là, eh ben la vie spirituelle ou fini. Yo pas fait compter sur l'assistance du Saint-Esprit avec expérience y a fait avec le Seigneur. Et pas bien des doux serviteurs ça également, il était gagné yon surestime de soi. Surestime de soi, c'est comme si tu as dit ah, ça pour me faire petit talent ça à mettre là-bas moi. On grain talent moi-même, pour c'est moi-même, regardez, mettre la baille l'autre yo 5, li baille yo 2, moi-même li bam 1 talent. Ça veut dire serviteur t'es surestimé tête. C'est comme si il te vaut plus que ça mettre la te mettre à disposition là. Et ensuite c'est comme si tu as raison de dire on va réussir vie moi sans l'aide mettre là, sans grain talent ça mettre la mettre à la disposition moi qu'a réussi. On connaît grand pile monde c'est comme ça hier dans l'évangile là également. Ah, on va réussir, on va grandir, on va développer la vie spirituelle moi. D'ailleurs, on connaît pas quelques petits trucs, on lit un pile livre, on connaît pas quelques recettes personnelles pour grandir spirituellement. Et c'est garder yo servi avec toute propre force personnelle yo servi avec toute qualité connaissance yo, tout petit truc yo, tout petit recette personnelle, yo pa jam ka grandi et développer rive nan niveau Seigneur ayia. Même j'ai avec serviteur qui te gen sous-estime de soi, ou avoue que ça passé, li vin minimiser sa bon Dieu mette à sa disposition. Grâce bon Dieu mette à la disposition lui, li minimiser ou bien négliger yo. Et nous avons une exhortation dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1er, qui dit comme ça, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Des gens, ils recevront la grâce en vain parce qu'ils ont minimisé la grâce de bon Dieu. Ils ne croient pas quoi que ça, son opportunité extraordinaire, le Seigneur Bayo, pour accomplir des exploits, pour réaliser de grandes choses, pour enfin, yo bon maturité dans le domaine, pour enfin, yo grandir et développer, yo aller de progrès en progrès. Parce que simplement, yo gagné, yo mauvaise estime de soi. Ou bien, yo dévalorisé tête, yo, ou bien, malheureusement, yo bon trop haute opinion de qualité moun yo ya. Et ça, il était paralysé, ce troisième serviteur de la parabole des talents, il n'a pas osé servir avec talent, mettre la tébalie. Ou bien parce qu'il était croit que il était vaut plus que talent ça, ou bien parce qu'il pas de jambe croit que grand talent ça capable changer situation les gens t'a vivre auparavant. Troisième obstacle, troisième serviteur ça a été gagné dans la vie, c'est que il était un serviteur paresseux. Mais la parole dit ça où? Matthieu, chapitre 25, verset 26. Mais la dit serviteur paresseux. Mais sans paresseux à gagner dans le texte, c'est comme si on manque d'intelligence. Et pas force physique, non, la parole intelligence. Parce que serviteur a gagné à sa disposition un talent. Mais la dit, oh, on manque d'intelligence. C'est ça, il y a un manque de vision. On manque de vision. C'est comme si son méchanceté vis-à-vis de sa propre personne. Le maître a dit la serviteur paresseux. Le maître a dit ou méchant avec propre tête pas où. Mettez tout son besoin pour grandir, pour développer, pour venir chrétien mature, pour jamber dans l'autre niveau, pour remporter victoire, pour aller de progrès en progrès. Ou faire qualité méchanceté ça avec propre tête pas où. Oh, ou c'est un serviteur, un servante paresseux. Ou manquer intelligent, ou manquer vision, ou méchant même vis-à-vis de propre tête pas ou même. Au lieu de travail, ou rester dans la paresse, c'est ça qu'on l'inaction. L'inaction, c'est ça qu'on un comportement méchant. Serviteur après elle dit ça, oui, mettre après elle dit ça en verset 30 là. Mettre après elle dit, ou son serviteur méchant. Ou pratiquer méchanceté même avec propre tête pas ou. Parce qu'on rester dans la paresse. Mettez tout bagay ça ou pas de gagner auparavant non ou t'a débattre ou t'a vivre l'autre serviteur mais qu'on y a mettons l'autre position moi you faut somme pour servir avec lui pour grandir pour développer mais malheureusement c'est comme si m'a dou serviteur ça t'a mais la routine et ça son gros obstacle lié dans la vie en pile chrétien qui fait au pas qu'à développer d'où les routines sont très néfastes à la croissance spirituelle des chrétiens. Yo rete nan routine. Jan bagay la te kon fèt la, kon sa ou dwe toujou fè li. Jou ta chanje li, yo dou se kon sa ou te leve ou jwenn li. Dou se simplement a l'église rentre la kay yo.
c'est simplement à l'église chaque jour. Ou bien c'est simplement faire une petite prière, citer le Notre Père, passer chapelet, les fini au fini dans dimension ça. La routine, c'est une situation très grave, un chrétien capable de trouver là-dedans. Et depuis de trouver dans situation ça, il pas grandi. Il y a une raison parce que bon Dieu pas agi dans la routine. Regardez à travers toute la Bible après. L'abdou tantôt Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre manière. À chaque serviteur bon Dieu yo bon expérience tout à fait nouvelle yo fait avec le Seigneur. Dieu n'agit pas dans la routine. Et puis tout, dans la nature de l'homme, l'homme est dynamique. L'homme est émotionnel, de l'homme pas qu'à rester dans la routine. Moun qui rester dans la routine nan, c'est moun qui paresseux. Yo pas jamais voulu innover, yo pas jamais voulu développer, yo pas jamais voulu aller de l'avant, faire de nouvelles expériences. Et dès pour un chrétien remet la routine, l'a tombé dans ce qu'on appelle la rétrogradation spirituelle. C'est garder la fait back sur le plan spirituel. Chrétien qui remet routine qui paresseux yo, yo tolérer péché dans la vie. C'est pas chrétien qui va faire un effort en plus parce que yo paresseux. C'est mon chrétien qui va vouloir jambé l'autre dimension pour capable remporter victoire sur un péché. Ou après moun sa yo, yo enchaîné dans le passé. Chaque coup t'a aimé mobiliser, sensibiliser, motiver pour être capable de prendre une nouvelle dimension dans la vie chrétienne. Yo, ou après yo attaché au passé. Yo remet une routine, mais routine pour propre la vie, pas routine dégoûtante, oui, parce que pas aucune efficacité avec la routine dans le service de Dieu. Nous pas capable servir mon Dieu dans la routine. C'est comme si vous faites service là chaque dimanche, y a l'église conseil au fait, même chant, même prière, même prédication, même bagala. Dans le ministère de Dieu, mon Dieu, pas nous paquet opportunités matérielles pour ne pas vivre dans la routine. Et vous regardez, Bible là très souvent parler d'une nouvelle onction, d'une onction beaucoup plus profonde que chrétien t'a doué expérimenter. Donc, pas de place du tout pour la routine, la paresse, manque d'intelligence, manque de vision ou bien méchanceté vis-à-vis de soi dans l'évangile. D'ailleurs, la Bible dit nous, l'évangile, c'est une marche. Il est la marche chrétienne ou bien c'est une course que lié. Donc, chrétien pas qu'à arrêter statique. Chrétien, ils sont mon dynamique, la avancer, la travail, la faire progrès, l'utiliser tout dans talent, capacité, le Seigneur bali. Donc, l'évangile là, c'est on vit quand on parle de progrès en progrès. Et nous reconnaître ça tout bon vrai dans la vie spirituelle, nous. La paresse, c'est un obstacle à la croissance spirituelle. En plus, la paresse là, il traduit par un manque d'organisation. Tant qu'on moun ka fait corvée. Li nan tout service l'église là, oui. Mais le paresseux, li c'est simplement un activiste. Activiste, li en toute activité, mais li pas comprendre bien net activité, li pas profiter de activité. Li gagne activité à sa disposition, oui, gagne l'autre monde qui sert avec activité pour développer, grandir. Par exemple, si nous avons ligne consolation, gagne monde qui sert avec ligne consolation pour atteindre d'autres niveaux, pour grandir, pour développer. Mais concerne le monde qui simplement, yo simplement vient sous ligne là, yo manifester présence, son forme de paresse que lié, oui. Parce que yo pas organisé pour grandir avec toute qualité bagage et provision le Seigneur mettait à disposition. Pas oublier, Dieu est un Dieu d'ordre. Ou faites pour planifier la vie ou pour grandir spirituellement. Ou faites pour organiser la vie ou organiser temps qui sont cadeaux que le Seigneur ba ou. Le temps est précieux. Moïse arrive en côté où la gaspille le temps, font prier du Seigneur. Apprends-moi à bien utiliser mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Psaume 90, verset 12. Ou besoin bien organiser capacité ou yo. Bon, bien organiser travail que vous exécuter pour la gloire de Dieu. Nous connaissons Moïse dans Exode chapitre 18. Ah, Moïse a tué tête li. L'a jugé le peuple de Dieu lui-même seul. Heureusement, j'ai trop dit, Moïse, vous avez tué tête ou parce que ou manqué organisation ou travail dans un monde qui paresseux. Son leader que vous y est. Choisi 70 moun. Ou est comment Moïse t'a tué tête li? Travaille pour 70 moun t'a fait. Elle a fait pour côté. J'ai choisi 70 moun. Il bay li les caractéristiques de ces personnes-là. Et travail la vin fait, il vin bien fait. Moïse son sort de paresse, oui. On manque de vision, oui. Moïse c'est détruit t'a détruit propre tête li. Son méchanceté vis-à-vis de soi. Parce qu'il pas bien organisé le travail du maître. De vous pas bien organiser la vie, malheureusement, ou pas grandir, ou pas développer spirituellement. Côté bon Dieu, vous voulez responsabiliser,
même Jean dit t'a responsabiliser ce troisième serviteur, mais malheureusement troisième serviteur a pas impliqué lui dans propre croissance pas pour le faire valoir talent mettre la témété à la disposition. Bon, m'identifier rapidement au quatrième caractère chez ce troisième serviteur. Troisième serviteur, ça a été désobéissant. Désobéissant aux directives du maître. Parce que maître a dit, fais talent au travail, bon talent, fais talent au travail. Maître a dit ça, mais il ne va faire aucun cas de directive de l'autre maître là. C'est donc mon serviteur qui est désobéissant à maître là. Il n'a pas obéi au maître. Et dans la vie, pas nous, nous connaissons ça très bien. La désobéissance à Dieu est un obstacle à notre propre croissance spirituelle. Désobéissance, c'est ça, relève être de mauvaise volonté. Les chrétiens ont de mauvaise volonté. Mettre la parole avec eux directement. Les holy Bible, mettre la parole avec eux. Mettre la parole avec eux du haut de la chair. Mettre la parole avec eux dans l'expérience dans la vie. Mais malheureusement, ils ont toujours été des chrétiens désobéissants. Des poussons chrétiens désobéissants ou pas qu'à grandir pour arriver à la maturité spirituelle. Désobéissance là, nous sommes capables de garder lui dans le cas de Satan, conversation Satan avec Ève dans le jardin d'Éden. Premier bagage là, Satan lui posait le doute dans la vie de Ève. Et comme ça, oui, nous vivons désobéissants. Nous avons un esprit de doute. Est-ce que c'est bon Dieu qui parle tout bon vrai? Et même là, on aime recevoir le mot de Dieu, oui, mais le diable vient mettre en doute. Bon, dès que vous commencez à douter, est-ce que c'est bon Dieu qui dit qu'il faut mal l'église? Est-ce que c'est bon Dieu qui dit pour me balaguer comme dans le péché ça? Est-ce que c'est bon Dieu qui dit qu'il faut une bonne vie de prière? Qu'il faut un programme de lecture biblique? Est-ce que c'est bon Dieu qui dit qu'il faut prier chaque jour? Depuis où commencez à mettre en doute les principes de Dieu, ou pas qu'à grandir et développer dans la vie spirituelle, parce que vous pourrez le trouver sur le chemin de la désobéissance. Ensuite, après, Satan fait appel à la sagesse humaine. Satan dit, Ève, le Seigneur croit que je mange, je la plouvri, je mange fruit, je la plouvri. Ou avez un monde qui est plus sage, ou avez un Dieu pour pouvoir peut-être pas où. Et c'est comme ça arrive en pile monde malheureusement les tombé dans la désobéissance parce que yo a utilisé propre truc pa yo propre élément pa yo et au même arrivé quoi yo suffisant avec propre tête pa yo. C'est comme si Satan dit Ève l'ovin manger fruit yo a prouvé on pense Dieu pour propre tête pour pas besoin l'autre dit encore comme une suffisant et après la tirer les sens physiques de Ève et fruit a agréable à la vue fruit a gain des capacité qui correspond à besoin Ève. Et finalement, Ève t'a appliqué sa propre foi. L'ital agit avec propre force parlée et rapidement tombé dans la désobéissance et désobéissance mettait le dos à dos avec mon Dieu. D'où le patakagien fait preuve de quelle maturité ni progrès spirituel. Et c'est même Jean ce serviteur de la parabole des talents. Il était désobéissant. Il pas voulait suivre les directives du maître. Il pas voulait faire valoir sa maître là, Tebali, comme talent, comme don. Ainsi, mes amis, n'a invité au tant pris, pas sembler avec troisième serviteur dans la parabole des talents. Ça. Sinon, on va recevoir un mauvais reproche, un reproche sévère de la part du maître, et ça représente une déception. C'est comme si finalement ou après serviteur ça n'est pas réalisé en rien. Mais pour qui ça le prend talent? Pour ça le là? Pour ça le compter parmi les serviteurs? Finalement, n'est pas recevoir en rien, n'est pas faire aucun progrès. C'est la déception, la désillusion totale pour ce troisième serviteur. Moi, invite à ressembler aux deux premiers serviteurs de la parabole des talents et nous invite à engager pour capable combattre ces obstacles dans votre vie. Pour capable grandir, développer normalement. Yon un obstacle dans la vie troisième serviteur ça, nous te c'est une mauvaise théologie du maître. Il pas bien comprendre maître là, il pas bien comprendre seigneur. Deuxièmement, il pas bien connaître qui qualité identité qu'il gagne en Christ. Troisièmement, il était un serviteur paresseux et quatrièmement, nous voyons que il était un serviteur désobéissant. Donc à bon entendeur, salut. Nous contentons à vous, nous allons faire place maintenant pour les questions. Bon Dieu béni, merci pour l'écoute. Gloire à Dieu.